Bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, yon émission qui commençait avec la Bible. La Bible à 100%, yon émission qui continuait avec la Bible. Et comme nous sommes capables de constater, thématique nous aujourd'hui, les poils relais, les quatre formes de Dieu et les quatre formes de l'homme. Les quatre formes de Dieu et les quatre formes de l'homme. Et premier passage que nous allons lire aujourd'hui hein, pour nous commencer, c'est dans Genèse 5, le verset 1er. Genèse 5, verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Oui, les quatre formes de Dieu et les quatre formes de l'homme. Si nous lisons la Bible bien, nous voyons que Dieu possédait quatre formes. Et à travers la Bible et à travers le temps, Dieu opérait dans quatre formes. Donc là, nous dit l'homme est à la ressemblance de Dieu. L'homme aussi, au total, t'as supposé gagner quatre formes. Mais pour commencer, l'homme actuel, c'est un amalgame de trois formes, telles que l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Nous pouvons lire ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, 1. L'esprit, 2. L'âme et 3. Le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, selon le plan de Dieu, l'homme devait avoir quatre formes à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu lui-même, lui marchait dans quatre formes, lui opérait dans quatre formes, à travers la Bible et dans le temps. Donc, et même à commencer dans l'éternité. Mais l'homme est supposé avoir quatre formes, également à la ressemblance de Dieu, mais à cause que dans le jardin d'Éden, Adam est tombé, Adam n'a pas de temps recevoir sa quatrième forme. En Éden, Adam seulement est marché dans trois formes. Donc, ce n'est pas seul Adam, nous-mêmes qui actuellement vivons sur la terre, nous seulement possédons trois formes. L'esprit, l'âme et le corps terrestre. Pour le moment, nous seulement opérons dans trois, l'esprit humain, l'âme et le corps terrestre. Mais la Bible parlait d'une quatrième forme que nous étions supposés recevoir quelques temps après les trois premiers. La Bible parlait d'une autre forme, une quatrième forme que Adam était supposé recevoir quelques temps après les trois premières. Donc c'est comme ça, même avant nous parler de quatrième forme, ça, nous voulait ouais quelques détails sur les trois premières formes ça yo que nous déjà gagné yo là. Les nous prend esprit, les nous prend âme, les nous prend le corps terrestre, chaque gagné rôle yo. Les nous aligner tous les trois, yo non seulement capable déplacer ensemble, comme ça tout trois formes ça yo capable séparer yon de l'autre. Esprit est capable de séparer de corps. Esprit est capable de déplacer sorti qui te nom nan. Et esprit est aussi capable de déplacer sorti qui te corps. Ça veut dire chaque capable faire yon bon. Esprit yon moun capable voyager quitter corps aller bien loin. Yon l'autre côté et puis après li retourner dans corps nous pouvons voir ça côté ça fait plusieurs fois dans la Bible côté l'esprit yon moun te sorti quitter ni nom ni
commun et puis li al occupé yon mission après li retourner dans même place li et verset nous pour li pour nous supporter et première partie ça c'est Apocalypse 4 le verset 1er et 2 Apocalypse 4 verset 1er et 2 côté l'esprit moun nan capable sorti qui te colli sorti qui te nam li aller on l'autre côté nous li ça côté Jean dans Apocalypse chapitre 4 il dit après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis là nous voyons un terme qui dit là ravi en esprit à proprement parler le corps terrestre était en bas sur la terre l'âme de l'apôtre Jean était encore hein? Mais l'esprit a déplacé aller littéralement jusqu'au lieu du trône de Dieu. Ce n'était pas le corps de Jean qui a monté au ciel. Ce n'était pas l'âme de Jean qui a monté au ciel. Mais Nidou, je fus ravi en esprit. Donc, l'homme actuel possédait trois formes, l'esprit, l'âme et le corps. Cependant, l'esprit, c'est lui qui voyageait plus vite et allait plus loin que ni namna ni koa. Le corps de l'homme contenté li voyager seulement dans une seule dimension, la surface de la terre. Le corps de l'homme pas qu'à voyager, quitter la surface de la terre sans que li pas gagner un véhicule sophistiqué. Même pour là, pour monter dans la lune. C'est l'autre jour là, nous fait un véhicule qui relait navette spatiale. Cependant, l'esprit humain de l'homme capable sortir quitter corps moun aller dans une autre dimension sans que li pas besoin un véhicule donc gain de acrobatie l'esprit humain de l'homme capable faire ni nam nan pa ka faire ça ni corps pa ka rive faire ou bien côté l'esprit humain de l'homme rive déjà. Donc, l'esprit humain capable de sortir de yon dimension, aller dans yon lot, sans l'aide d'une voiture, sans l'aide de navette spatiale. D'ailleurs, l'esprit humain voyageait plus vite que yon navette spatiale. L'esprit humain voyageait plus vite que yon voiture, aller plus loin que yon navette spatiale. Yon navette spatiale arrivait seulement là dans la lune, mais navette spatiale pas arrivé là-haut, auprès du trône de Dieu. Nous sommes livrés, c'est ça qui dit, Jean dit, je fus ravi en esprit et aussitôt, li ouais, on trône dans le ciel. Et nous connaissons le trône, côté trône, c'est là qui est plus haut. On a parlé les cieux, il y a plusieurs, les cieux. Mais le trône de Dieu, côté trône, c'est lui qui est plus haut. C'est lui-même qui relève troisième ciel. Donc, nous comprenons qu'il y a une navette spatiale pas qu'à monter dans le troisième ciel. Jusque-là, il y a monté dans la lune. Donc, l'esprit humain voyage, aller plus loin dans l'autre dimension. Et ça qui est belle là, c'est que lorsque l'esprit humain voyage, aller dans l'autre dimension, dans l'autre zone, réalité est tellement vivide que ou quand même penser que c'est tout ou même qui déplacé. C'est ça qui fait un pile prophète qui te voyage dans l'esprit, dans la Bible. Là, ils ont retourné, ils ont confus. Parce que ils ont même demandé est-ce que quoi ont été allé aussi, ou bien est-ce que quoi pas été allé aussi. Parce que les bagages ont tellement vint clair que ou pas qu'à faire différence si quoi a été là, si quoi pas été là. Et ils ont exactement côté ça arrive l'apôtre Paul. Nous parlons ça dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 2. Arrivé dans verset 4. Même expérience, l'apôtre Jean fait ce que fait dans Apocalypse, chapitre 4 là. Paul aussi fait même expérience là.
dans 2 Corinthiens 12. Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Pas oublier, Jean t'es ravi en esprit, mais là, l'apôtre Paul ravi jusqu'au troisième ciel. Jean t'es ravi en esprit jusqu'au trône. Ça, cela veut dire ni Jean ni Paul rivaient même côté. Parce que troisième ciel, c'est là côté trône de et trône dans tout, il est dans le troisième ciel. Ok. Mais qu'on est là, Paul fait une parenthèse là. Il dit, si je suis dans son corps, je ne sais. Si je suis hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Ouais, ça m'a dit, l'est que l'esprit déplacé quitte le corps, allons l'autre côté. Réalité, l'esprit rivé là-dedans, là, observé, a tellement vivide qu'on a même pensé que est-ce qu'on parle à tout. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'était pas permis à un homme d'exprimer. Donc, pour le moment, nous voyons que l'homme possédait trois formes, l'esprit humain, l'âme humaine et le corps humain. Et chaque forme, ça n'a pas déplacé même gens. Esprit pas déplacé même gens avec âme. Non plus, âme pas déplacé même gens avec corps. Donc, d'un côté, l'esprit rivé, âme pas qu'arrivé. D'un côté, l'esprit humain rivé, mais le corps humain pas qu'arrivé. Donc, exemple, côté l'esprit, non seulement voyager dans l'espace, mais l'esprit humain, c'est celle partie l'homme gagné qui voyageait dans le temps aussi. L'esprit humain, pas seulement voyager dans l'espace, mais il voyageait dans le temps présent, dans le temps passé et dans le temps futur. C'est seulement l'esprit humain qui a fait ça, qui est capable de voyager dans le temps. L'esprit humain voyageait aussi dans le temps passé et dans le temps futur. Ah, et c'est là nous voyons que côté verset qui dit ça, nous voyons dans Genèse 2, verset 25. Genèse 2, verset 25. Moïse écrit, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ne le savait pas. OK. Genèse 2, verset 25. Comment Moïse fait qu'on est que l'homme et la femme étaient nus alors que Moïse pas qu'au même fait? OK. On continue. Dans Genèse 3, verset 4. Moïse écrit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Moïse partait dans le jardin d'Éden. Comment Moïse fait qu'on est que le serpent, c'est seul animal qui te compte parler? Parce que dans l'époque, serpent te compte habitué parler, Moïse pas même comprend naissance sur la terre. C'est là, moi, dis que l'esprit humain pas seulement un potentiel pour voyager dans l'espace, mais l'esprit de l'homme capable aussi voyager dans le passé. Des choses qui passaient, alors que nous n'avons pas qu'au même prendre naissance. L'esprit humain, c'est celle partie l'homme gagné dans lui-même qui est capable de voyager dans le futur aussi. Nous pouvons montrer un prophète dans la Bible qui te voyagé dans le futur. Qui verset? Nous pouvons aller dans Apocalypse 21, verset 9 et 10. Apocalypse 21, verset 9 et 10. L'apôtre Jean. Il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplis des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et l'ange me transporta en esprit, sur une grande montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Raison qui fait moins accentuer sur le mot descendre
la ville qui descendait du ciel. Il n'a pas dit une ville qui est au ciel. Nous comprenons dans le présent, l'ITK, ouais, une ville au ciel. Mais verset a précisé que la ville était en train de descendre du ciel. Son esprit, Jean en esprit, a été transporté au temps futur où la ville sera en train de descendre. Jusqu'à présent, on a parlé là, ville ça a pas encore descendre. Donc, il y a une différence entre ouais on ville au ciel et ouais on ville qui descend du ciel. Le verbe descendre est un verbe de mouvement. Donc, villa est capable au ciel au temps de l'apôtre Jean. Mais villa pas descendre sorti dans le ciel au temps de l'apôtre Jean. Donc, l'apôtre Jean mourit 2000 ans de ça, malgré tout, villa pas qu'au Jean descend. Cependant, avant les mourir, les ouais villa en mouvement cap descend. Cela veut dire voyager dans l'esprit ou capable de voyager dans le futur, yon bagay qui pourrait passer dans le futur ou getan well, et alors que jusqu'à présent, 2000 ans après, ça peut qu'on jamais fait. L'homme, dans l'esprit, c'est seul l'esprit, l'homme qui est capable de voyager, soit dans le passé, soit dans le futur. Non, l'homme pas capable de voyager dans le passé. Non, l'homme pas capable de voyager dans le futur. Le corps de l'homme pas capable de voyager dans le passé. Le corps de l'homme pas qu'à voyager dans le futur. Donc, mais quand même, nous connaît dans le présent. Dans le présent, et le corps de l'homme voyageait dans le présent, l'âme de l'homme voyageait dans le présent. Donc, si l'esprit qu'a fait ça plus difficile là, qu'a fait ça plus facile là tout, l'esprit de l'homme aussi voyageait dans le présent. Et verset exemplaire nous parle bail côté l'esprit te voyageait dans le présent, c'est 2 Rois 5:26. 2 Rois 5:26, côté Élisée, te gagne un serviteur, et puis serviteur là, pendant prophète Élisée fait un miracle, et puis il pote des cadeaux pour miracle là. Élisée dit, pas pour un cadeau là, parce que c'est pas moi-même qui fait miracle là, c'est bon Dieu qui fait miracle là. Et puis serviteur qui était avec Élisée, hein, passait sournoisement derrière les coulisses, les courir à suivre. Et général de l'armée qui était guerrier, et puis l'alprend cadeau yo, et serré comme quoi il pas voulait quitter richesse là aller. Et l'elle m'che retourné, il pensait Élisée par connait, il pensait Élisée par connait, parce que le côté d'aller là, Élisée était là quand là, comment le fait connait. Et c'est comme ça nous parle là 2 Rois 5:26. Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Ça veut dire, en esprit, Élisée, juste pour ton prince, yon nom go naïf, Élisée, getan wè tout ça, nèg la fè go naïf. Li wè le, yo, général la, mi a descend, pou bay cadeau à l'argent, pou bay l'or à serviteur qui courit, al passer sous côté pour prendre l'argent. Alors, Élisée dit, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit était présent. Donc, nous, l'esprit, l'homme capable de voyager au présent aussi. Car, vraiment, lorsque le serviteur prend cadeau, l'esprit Élisée, pendant Élisée chita yon côté, non l'autre ville, l'esprit dans l'autre ville, il voit tout mouvement qu'a fait. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit était présent au présent. Oui, si je nous dis, les quatre formes de Dieu, les quatre formes de l'homme. Donc, pas oublier, m'a fait une étude biblique avec vous, moins baou, yon verset dans chaque exemple. Cependant, il y a plusieurs autres versets, l'autre passage, moins d'abord dans chaque exemple, mais nous besoin faire une couverture totale, c'est vous-même, au fur et à mesure, pour le Bible, pour le découvrir, plusieurs autres côté l'esprit voyager dans le passé, l'esprit voyager dans le futur. Présent même, c'est piaille. C'est très facile. Donc, on est là. Actuellement, nous avons trois formes. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit voyager. L'âme voyager. Le corps de l'homme voyager.
Mais l'esprit voyageait dans le passé et le futur. Cependant, le corps humain pas qu'à voyager dans le passé ni dans le futur. Le corps humain voyageait seulement dans le présent. Si corps est capable de voyager dans le passé, il y a un pile d'erreurs que vous avez fait dans le passé. Vous n'avez pas retourné dans le passé pour corriger l'erreur là. La Bible dit, l'un homme souillé lit avec une femme, il met pour un savon, il met pour un Clorox pour laver quoi, comme quoi pour effacer ça sous le fer, il pas besoin qu'à effacer ça du tout. Comme quoi pour le t'a dit, il pas besoin de faire ça. Clorox pas qu'à effacer. Ça où t'es fait arrêter là. Non seulement le corps pas qu'à retourner dans le passé pour effacer ou bien ça mal qu'on t'a fait dans le passé. Donc, nous, ouais, le corps pas qu'à voyager dans le passé. Le présent pas qu'à effacer yon mal qu'on t'a fait dans le passé. Non plus, le corps pas qu'à voyager dans le futur pour aller faire un bien ou un mal dans le futur à l'avance. Non, le corps seulement contente-lui du présent. Il seulement agit dans la réalité du présent. Advienne que pour elle, par contre, sa future à côté, il a programmé le futur, mais il n'a pas qu'à agir dans le futur. Il n'a pas qu'à faire action dans le futur à l'avance. OK? Donc, nous devons comprendre là. Il est capable de programmer le futur, mais il n'est pas capable de faire une action. Et 6 mois à l'avance, il est capable de faire une action. Et puis, après, il retourner dans le présent. Et puis, l'abtan, et après 6 mois, que l'action était faite, mais action. Le corps humain n'est pas capable de voyager dans le futur. Le corps humain n'est pas capable de voyager dans le passé. Oui. Donc, nous avons 3 formes. L'esprit humain, l'âme humaine et le corps humain. Mais tous les 3 voyager. Maintenant, nous pourrons étudier l'âme humaine. En pile, nous n'avons pas qu'à faire différence entre l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme, ce n'est pas même bagaille. Esprit, moun capable de déplacer, quitter corps pendant moun encore vivant. Ça veut dire, ou pas besoin de mourir pour l'esprit ou déplacer, quitter corps. Âme moun capable sorti qui te croit aussi. À la différence, toutes les fois que nan moun sorti qui te comme même côté a corps mouri. C'est nan moun qui détermine si corps vivant ou non. C'est ça que fait la Bible dit l'homme devient une âme vivante puisque c'est nan moun qui rend corps vivant. La Bible, par exemple, dit que l'homme devient un esprit vivant. L'esprit qui a sorti, qui te croit, cependant, pourvu que l'âme n'a toujours à l'intérieur du corps, corps a toujours été vivant. Raison qui fait la Bible dit l'homme devient une âme vivante et non un esprit vivant, ce n'est pas la présence de l'esprit dans le corps qui rend corps en vie. Mais c'est la présence de l'âme qui maintient le corps en vie, vivant. Donc, l'homme est une âme vivante toutes les fois que l'âme est dans le corps. Cependant, l'homme cesse d'être une âme vivante à la minute que l'âme déplacée, sortie, quittée, corps. Vice-versa, l'homme redevient une âme vivante à la minute que l'âme retourne dans le corps à tout. Vous comprenez? Ah, donc on a donc commencé à faire différence entre l'esprit et l'âme. En pile, moun pa ka faire différence entre l'esprit et l'âme. Deuxième différence qui gagne entre l'esprit et l'âme, c'est que l'âme n'a pas qu'à voyager dans le passé ni dans le futur. C'est vrai, nous te voyons l'esprit voyager dans le passé, mais l'âme pas qu'à voyager dans le passé. L'esprit humain capable de voyager vivre dans le futur. Cependant, nan yon moun pa ka voyager al vivre dans le futur. Exemple. L'esprit humain yon moun ki tap vive dans le passé, qui mouri, capable déplacer al vivre dans yon petit bébé qui pral prendre naissance dans le futur. Cependant,
nan yon moun ki mouri dans le passé, pa ka déplacé al transplanté li nan kò yon lot moun. Tande bien? N'ap fò fè différence entre l'esprit et nam. Ça veut dire chaque moun genye yon nam unique à lui-même et c'est ça qui fait l'âme de la personne vivre dans le présent. Parce que li pa ka soti la pou la lon lot moun nan yon lot génération. Alors que l'esprit yon moun ki mouri kapab voyager dans le futur al intégrer li dans kòr terrestre yon lot moun ki pral pran nesans ki pral pran nesans nan yon lot génération. Et verset m pral ba ou comme exemple gen plusieurs autres versets mais m'a bo yon seulement. C'est Luc 1 verset 17. Jean-Baptiste marchera avec Dieu, devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste, attendez. Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit, avec l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste pas marché avec l'esprit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est marché avec l'esprit d'Élie. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants, Luc 1 verset 10. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Là nous ouais, même l'esprit Élie qui était encore Élie, 800 ans plus tard, c'est même l'esprit Élie ça qui trouvait l'encore Jean-Baptiste. La Bible pas utiliser les mots à la légère. La Bible pas dit Jean-Baptiste marchera avec l'âme d'Élie. La Bible pas croit dans doctrine réincarnation. Mais la Bible dit Jean-Baptiste marchera avec l'esprit d'Élie. Deux hommes pas qu'à faire échange de âme, car l'âme ne peut pas transféré d'une personne à une autre. C'est pourquoi la doctrine de la réincarnation est fausse. Parce que doctrine réincarnation, veut dire l'homme n'a mouru, n'a pas sauté, et puis l'a vivre dans l'autre corps. Ça, li faux, archi faux. Non, yon moun pa ka traversé al jouen dans l'autre moun. Car l'âme ne peut pas renaître d'une personne à une autre. L'âme reste à la même personne. Nam moun nan se pou moun nan liye l pa pou on lot. Ce qui est différent de l'esprit humain, car à travers la Bible, l'esprit humain d'Élie te voyage des générations pour se trouver dans Jean-Baptiste. Luc 1 verset 17, Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie. Donc nous avons deux points communs là entre l'esprit et l'âme. C'est que tout de déplacer sorti quitter corps hein? Tout de capable voyager dans l'espace, ça veut dire ni esprit ni âme capable aller soit dans les régions inférieures de la terre, plus précisément l'enfer, soit dans les régions élevées de la terre, plus précisément les cieux. Maintenant, comme différence qu'on y a là entre l'esprit et l'âme. Première différence qui gagne entre l'esprit et l'âme, c'est que l'esprit qui voyage dans le passé, dans le futur, cependant, l'âme n'a seulement qu'à voyager dans le présent. Deuxième différence qui gagne entre l'esprit et l'âme, l'esprit qui a sorti quitté quoi, sans que moun n'a pas mouru. Ça veut dire que moun pas besoin de mourir pour l'esprit le déplacer de corps. Cependant, pour l'âme, c'est seulement à la mort physique que l'âme quitte le corps. Ça veut dire, l'esprit moun mouri, si c'est l'esprit seulement qui sorti quitte koa, tant que nam nan pa ko quitte koa, moun nan pa ko mouri. C'est deux bagay moun besoin pour mouri. C'est pour ni esprit a, ni nam nan sorti quitte koa. C'est vrai, esprit a plus rapide que nam nan. L'esprit moun mouri, c'est l'esprit a qui courit sorti en premier. L'altan nam nan sorti. Et qu'on y a si pour yon raison ou pour yon l'autre, après un nombre de temps, nam nan pa jam sorti, quitte corps, l'esprit a retourné dans corps.
Donc, vice versa, tout. Les prions ont ressuscité, c'est deux bagages la besoin. La besoin, l'esprit a et n'amenant retourner dans le corps. Mais puisque l'esprit a plus rapide que n'amenant, c'est l'esprit a qui retourne avant en premier. Malgré tout, tout autant n'amenant pas qu'on retourne dans le corps, mon n'a pas qu'on vivant. C'est ça fait la Bible dit l'homme devient une âme vivante parce que c'est n'amenant qui pour n'encore pour mon n'en vivant. Ça veut dire même si l'esprit a retourné en premier, qu'est-ce qu'a retourné dans monde. Si n'amenant pas qu'on retourne, nous n'amenant pas qu'on vivant. Il y a plusieurs versets, même il y a un verset m'a baou pour courir l'esprit, c'est dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 verset 9 à 10. C'est ça fait me mandou pour capable enregistrer subscribe abonné à channel moyen parce que au fur et à mesure m'a venir avec l'autre verset l'autre point mais yon seul jour m'pa ka bay tout verset à la fois. Nous parler dans Acte 20 verset 9 à 10. Acte 20 verset 9 à 10. Oui, sujet jodi an li rele les quatre forme de Dieu et les quatre formes de l'homme. En nous lit Acte 20, verset 9 à 10. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Verset 10. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Son âme est en lui. L'apôtre Paul pas dit, « Son esprit est en lui. » L'apôtre Paul dit, « Son âme est en lui. » Parce que c'est lorsque n'amenant retourner dans le corps, c'est laisse à corps vivant. C'est ça que la Bible dit, « L'homme devient une âme vivante. » La Bible par exemple dit l'homme devient un esprit vivant parce que esprit ka sorti qui te croit toujours vivant. C'est pas esprit qui faut qu'on ni si croit vivant ni si croit mourir, c'est n'âme. OK. Donc pas oublier Dieu gagne quatre formes. L'homme t'est supposé marcher à la ressemblance de Dieu, l'homme t'est supposé marcher dans quatre formes aussi, même Jean bon Dieu marcher dans quatre formes. Donc pour le moment nous seulement à marcher dans trois formes. Nous pas qu'on recevoir quatrième forme non. Troisième forme non qu'on y a là, c'est le corps terrestre. Quoi lui-même, c'est lui qui est plus lent. C'est ça que fait nous fait voiture, nous fait automobile pour accélérer mouvement quoi. Sans appareil, si quoi pas un appareil, un véhicule, quoi lui-même li seulement qu'à voyager dans une seule dimension, c'est-à-dire surface de la terre à la surface de la terre. Exemple, côté corps terrestre pas qu'à voyager aller l'autre côté, c'est que nous n'avons pas un corps terrestre monde dans l'enfer. L'enfer n'est pas à la surface de la terre, c'est ça qui fait pas un corps monde qui dans l'enfer. Corps monde qu'à voyager seulement de surface de la terre à surface de la terre. Le corps de l'homme, le corps physique, est attaché à la surface de la terre. Il n'est pas qu'à sortir, quitter la surface de la terre pour compte lui. Mais l'esprit humain, avec Namna, il est capable de sortir, quitter quoi pour compter au bien loin. Alors que quoi n'a pas qu'à faire ça? Le corps physique n'a pas qu'à faire ça. Sans qu'il n'ait pas un véhicule. Même là pour aller dans la lune, même là pour aller dans la lune, sortir, quitter la surface de la terre, son véhicule, son avion pour gagner. Pour arriver là dans la lune. Ouais, pour entrer dans l'avion, dans la navette spatiale. Donc, corps terrestre là, li attaché à la terre. Chaque fois pour corps terrestre là, déplacer, quitter surface de la terre, c'est un véhicule pour le construire, soit un avion, soit une navette spatiale. Donc, le corps de l'homme, c'est ça que fait le corps de l'homme, pas qu'on aller dans l'enfer. Le corps de l'homme pas aller dans l'enfer. Et parce que l'homme pas qu'on fait appareil pour descendre dans l'enfer. C'est ça qui fait pas gain comme monde dans l'enfer. Là où fait l'enterrement yon monde,
n'amenant descendre dans l'enfer si moun n'a pas sauvé, mais comme moun n'a pas qu'à descendre dans l'enfer, comme moun n'a été dans le cimetière à la surface de la terre. L'enfer c'est une autre dimension et contrairement à l'âme et l'esprit, pas qu'à voyager que à la surface géographique de la terre, de yon pays à un autre pays, de yon ville à un autre ville, entre Saint-Domingue, retourner à Haïti. C'est ça que plusieurs fois Dieu comprend quoi yon moun à le déposer dans une autre zone géographique, mais c'est toujours surface de la terre à la surface de la terre que quoi voyager. Exemple, nous parlons côté l'Esprit de Dieu t'est levé quand un monde transporté lui aller dans l'autre ville, de yon ville à yon ville, c'est sans l'utilisation de voiture ou de monture. C'est dans Actes chapitre 8, verset 37. Diacre Philippe est allé à baptiser yon eunuque. Dans verset 37 là, il dit eunuque là, si ou quoi de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est comme ça dans verset 38, eunuque là fait camper Charles, Philippe et l'eunuque descendent dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, l'eunuque poursuivait sa route, son chemin. Verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ça nous est là, nous est. Dieu te prend quoi yon moun physiquement, sorti dans une ville à l'autre ville, et sans automobile, sans voiture, sans moun n'a pas marché à pied, sans moun n'a pas poussé ailes. Mais ça fait littéralement. Et nous voyons que lorsque Philippe fin baptisé eunuque là, il disparaît. Ouais, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. C'est-à-dire, corps physique là, déplacé dans une ville à l'autre ville. Et ouais, donc on y a là, ça qui n'a pas fait pour quoi ta sorti quitter dimension de la terre, aller dans l'autre dimension. Mais si c'est pour la terre à la terre, quoi capable de déplacer de la terre, surface de la terre à la surface de la terre. Ça veut dire, quand tu restes là tellement lent, toutes les fois pour quand tu restes là sorti de une dimension terrestre pour aller dans l'autre dimension, qui est plus haut que la terre, c'est pourquoi entrer dans un appareil spécial, tel que avion ou une navette spatiale. Cependant, esprit de l'homme capable d'aller dans le ciel sans n'y pas besoin d'une navette spatiale. L'âme de l'homme capable d'aller dans le ciel sans n'y pas besoin d'une navette spatiale. Mais le corps de l'homme ne peut pas monter au ciel sans l'aide de véhicules. Donc la Bible dit l'homme doit se présenter devant le trône de Dieu dans son corps terrestre qu'on est là. Mais vite mon problème. L'homme supposé présenter devant le trône de Dieu dans le corps terrestre. Comment on peut le faire monter? Parce que le corps n'a pas monté pour compte lui. Mais c'est la raison pour laquelle nous gagnons un véhicule dans le ciel. Et dans un véhicule, ça nous pourrons rentrer pour nous présenter nous devant Dieu dans notre corps terrestre. Nous gagnons une navette céleste préformée par Dieu qui gagne pour venir chercher le corps terrestre là et amener lui bien haut jusqu'au trône de Dieu. Donc toutes les fois qu'on entend des gens communs, t'es sorti qui t'es surface de la terre, aller dans le ciel ou mettre tout qu'on est, c'est corps céleste là qui descend vient pour encore non véhicule. Nous ouais Enoch t'es monté. Nous, Élie t'est monté. Et nous, Jésus t'est monté. Lorsque Jésus montait, Jésus, pas quitté côté resté en bas, non? Moi, l'autre bagage qui passe. Lorsque enlèvement fait, pas de monde qui a enlevé pour quitter côté resté en bas sur la terre. Parce que raison même qui fait enlèvement nécessaire, c'est pas pour nous, non. Nous, monter pour contre lui. C'est pas pour l'esprit, l'esprit a monté pour contre lui.
Raison de faire pour avoir un enlèvement dans la Bible ou bien un enlèvement dans la Bible déjà, c'est pour compter reste là, oui, qui n'a pas monter pour compter lui. Donc, pas de monde qui peut l'enlever et puis ou quitter côté reste en bas dans ton tombeau. Pas de monde qui peut l'enlever pour quitter côté reste en bas sur la terre. Au contraire, raison de faire pour avoir un enlèvement même, c'est pour venir chercher côté reste là. Parce que la Bible dit l'homme supposé présenté devant le trône de Dieu avec le corps terrestre. Car le corps terrestre est le temple de Dieu. Ou pas, quitter le temple de Dieu en bas. Le corps, le temple de Dieu, le corps terrestre, c'est le temple de Dieu. Dieu a besoin. Si Dieu n'a pas besoin, Dieu n'a pas dit que le corps terrestre est le temple de Dieu. Donc, nous, ouais, différence qui gagne, qu'on est là, nous besoin qu'on ait quatrième forme, ça. L'homme a une quatrième forme qui vient chercher, reste corps ou bien reste partie qui peut monter. Si nous sommes vivants, toujours sur la terre, ça veut dire nous sommes sur la terre toujours. L'esprit sur la terre toujours. Et quand tu restes sur la terre, il y a trois parties qui sont sur la terre, s'il vivant. Dans l'enlèvement, bon quatrième, forme qui a sorti dans le ciel là, pour venir chercher quand tu restes là. Mais moi, je dis, ce n'est pas pour nous, non, il vient directement. Ce n'est pas pour l'esprit, non, c'est pour quoi? Parce que c'est quoi qui n'a pas monté pour contre lui. L'homme a trois parties actuellement là, mais corps terrestre là, c'est l'équipe loup. C'est l'équipe loup. Donc, verset nous parle pour nous commencer à habituer avec quatrième forme que l'homme gagne, Captain Lee, qu'il était supposé gagner depuis longtemps. C'est 1 Corinthiens 15, verset 40. 1 Corinthiens 15, 40, il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc là, nous pouvons voir que gagnons un quatrième, le véhicule céleste. C'est lui-même pour le relais le corps céleste. C'est la quatrième forme de l'homme. Sujet nous aujourd'hui, le relais, les quatre formes de Dieu et les quatre formes de l'homme. Ça veut dire, même Jean Dieu gagne quatre formes, nous-mêmes tous, nous gagnons une quatrième forme. Captain nous dans le ciel, que Adam pat getan recevoir dans le jardin d'Éden, à cause Adam est tombé dans le péché. Adam est tombé dans le péché bien avant que lui te recevoir quatrième forme. Non. Donc, même Jean Dieu gagne quatre formes, un homme gagne aussi quatre formes. Ça n'a pas fait de lui quatre personnes. Un homme a quatre formes. L'esprit humain, l'âme humaine et le corps humain. Et ensuite, le corps céleste. Parce que Dieu a quatre formes, ça n'a pas fait Dieu un Dieu en quatre personnes. Dieu est esprit. Mais le fait que Dieu possède une âme, pas fait de Dieu un Dieu en deux personnes. Dieu aussi possède des oreilles, il a des mains, il a deux pieds dans la chair. Malgré tout, ça pas fait Dieu un Dieu en trois personnes. Et en quatrième et dernier lieu, bon Dieu a un corps céleste. C'est dans le corps ça il était mangé, pâté cordé avec viande cabrite avec Abraham. Malgré tout, ça pas fait Dieu un Dieu en quatre personnes. Regardez, si vous ne pas comprendre la Bible, vous pouvez que Dieu est esprit et puis Dieu a un âme, vous pensez que c'est Dieu en deux personnes. Si vous ne pas comprendre la Bible, vous pouvez Dieu gagne. Dieu est esprit, il a un âme. Ensuite, il a un corps dans corps de chair, corps terrestre, ou à penser Dieu c'est trois personnes. Si vous ne comprenez pas la Bible, ou à penser Dieu est esprit, li gagne un âme, li gagne un corps terrestre, et li gagne un corps céleste, ou à penser Dieu c'est Dieu en quatre personnes. Bon Dieu, pas un Dieu en quatre personnes,
mais Dieu marchait dans quatre formes. Esprit, âme, corps terrestre et corps céleste. Voilà, c'est la fin de cette émission. Sujet d'aujourd'hui, il est les quatre formes de Dieu et les quatre formes de l'homme. L'homme aussi est supposé à la ressemblance de Dieu marcher dans quatre formes. L'esprit, l'âme, le corps terrestre et le corps céleste. Pour le moment, nous gagnons trois. Nous pas qu'on recevoir le corps céleste. Mais la Bible dit le corps céleste a venu pour venir chercher le corps terrestre. Dès lors, tous les quatre formes ça yo a réuni ma connaît ensemble fait un seul. Même Jean pour le moment, nous gagnons trois formes qui réunit ma connaît ensemble. Nous gagnons l'esprit a namnan à corps terrestre là ma connaît fait un seul monde. Ou pas trois monde, ou pas trois monde. Nous gagnons l'esprit, ou gagnons le corps, ou gagnons l'âme, ou pas trois personnes. Et mais Dieu pas trois monde, Dieu pas trois personnes. Dieu gagne l'esprit, il gagne l'âme, il gagne le corps terrestre. Ensuite, Dieu gagne en quatrième forme qui est le corps céleste. C'est le corps céleste Melchisédek qui t'est venu parler avec Abraham et qui t'est venu manger avec Abraham. C'est le corps céleste. Oui, nous casser rendez-vous avec pour un autre sujet, mais non pas un autre sujet, non, même sujet ça. Un autre épisode. Côté, nous va continuer. Ouais, côté, Dieu possède quatre formes. L'homme aussi possède quatre formes. C'était avec votre très humble frère, le frère Bruno. Moi, dis-nous tout, moi, remets-nous tout. Pas oublier partager vidéo ça avec toutes les amis. Côté Dieu, il y a quatre formes. L'homme aussi possède quatre formes. L'esprit, l'âme, le corps terrestre et le corps céleste. Bye bye!